En ce moment, des vidéos étranges circulent sur TikTok et les réseaux. On y voit des personnes se comportant comme des zombies. Mais qu'est-il arrivé à toutes ces personnes? Ces images proviennent des États-Unis et plus particulièrement de la ville de Philadelphie. Ces personnes sont accros à une nouvelle drogue qui sévit aux États-Unis. Il s'agit d'un puissant mélange de fentanyl et d'un anesthésiant pour cheval. Cette drogue vous rend complètement accro dès la première dose. Il est alors extrêmement difficile de se sevrer. Les toxicomanes, appelés aussi crackheads, sombrent petit à petit dans la démence et la pauvreté. En effet, la consommation de cette drogue les empêche de travailler. Et malheureusement, ils finissent alors à la rue complètement livrés à eux-mêmes. Il faut savoir aux États-Unis que la vente de médicaments de type opiacé contre la douleur est totalement libre. Et que beaucoup de médecins les prescrivent trop facilement. Mais là, c'est très inquiétant. Il s'agit d'une véritable épidémie qui touche tous les centres-villes des plus grandes villes d'Amérique. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette substance peut rendre les gens aussi violents. On a enregistré une augmentation significative de la violence due à cette drogue. Le manque et la démence peuvent rendre les crackheads violents et agressifs. C'est vraiment fou ce qui se passe aux États-Unis et c'est vraiment très triste de voir ces personnes-là dans cet état. Je ferai prochainement une version longue pour plus expliquer en profondeur le phénomène.